Hey, salut à toutes et à tous, nous sommes ensemble dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Undertale, toujours en run pacifique, pacifiste, peu importe. Et je vous reprends de nouveau sur l'écran titre, pour une raison très particulière, vous l'aurez sûrement remarqué, mais en plus de Toriel, cette fois-ci nous avons 106 papyrus qui se sont rajoutés. Alors à chaque fois que je pense, enfin, à chaque fois qu'un perso se rajoutera en général, je vous le montrerai, histoire de voir un petit peu la famille s'agrandir quelque part. Et par la même occasion, justement, ça nous change de la précédente run où on avait à peu près assassiné tout le monde. Alors pour une fois, ça nous fait un petit peu de compagnie. Et normalement, aujourd'hui, nous allons voir Undine. Enfin, nous allons voir, on l'a déjà vu, mais nous allons devoir l'affronter. Et aussi, je vais penser cette fois-ci à sauver le petit copain tout jaune. Parce que la dernière fois, malheureusement, je ne savais pas que je pouvais bouger. Mais cette fois-ci, vu que je le sais, on va faire en sorte de le sauver. Et là, donc là, on va voir les pics, comme d'habitude. On va encore avoir droit à une petite séquence où on va devoir esquiver ses coups. Je pense pas trop. Ça c'est un peu plus prévisible par rapport aux lances qui nous balançaient, qui venaient de haut ou bas. Enfin, pareil, c'est des patterns assez spécifiques, donc à esquiver, c'est pas non plus le plus compliqué. Ah, donc ça, ça change rien. Et là, après, il va falloir trouver la bonne route de souvenir. C'était plus par ici. Fallait descendre, non? Oui, si, si. Fallait descendre. Ça fait un... Aïe! C'est un petit peu labyrinthique, mais c'est pas grave. Et pour le coup, j'ai aussi intérêt de ne pas trop me faire toucher. Parce que je suis obligé derrière de perdre de la vie. Et vous savez, 20 points de vie, c'est que ça part un petit peu vite quand même. Donc ce serait bien si elle pouvait être clémente et m'éviter de me prendre des dégâts. Non, c'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, ça va de plus en plus vite, bien entendu. Sinon, ce serait trop simple. Waouh! Waouh, là c'est les réflexes les amis, réflexes, 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 on évite, on esquive, on dodge comme on dit en anglais. Parce que nous on est des vrais, oh j'ai évité, ah je sais pas comment j'ai fait. Là pour le coup j'ai eu un peu de chance, enfin un peu de chance, non j'ai eu carrément de la chance hein. Aïe, non c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, yes. Donc là on va faire encore demi-tour, on va revoir Undine. Mais pour notre plus grand plaisir on va avoir encore notre sauveur. Oh là là, mais qui va là? Oh là là, un chevalier avec une armure. Et on m'a encore fait la réflexion que, quand on reverra sa forme, si vous vous souvenez pas, elle ressemble, enfin, Undine ressemble un peu à Kalista, qui est un champion de League of Legends. Mais oui, on va tomber, si si, non non, en fait, il vient pas nous sauver. Et on va voir le demi. Mais normalement, il devrait pas nous agresser vu qu'on a tué personne jusqu'à maintenant. Hein, ça semblerait que c'est fini maintenant. Oh, tu es tombé, n'est-ce pas? Est-ce que tout va bien? Ici, lève-toi. Vlag, c'est un joli nom. My name is blabla, enfin, comme si on recommençait le jeu. Mais non, on va se réveiller. Comme par hasard, on est tombé dans des fleurs jaunes. Si vous savez pas maintenant pourquoi les fleurs sont jaunes, une raison très particulière. On va sauvegarder. Oui, oui, merci, 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 c'est très gentil. Un petit peu plus vite. Et on m'a dit aussi que dans le shop... Il faudrait que j'achète, c'était un truc assez spécial qui augmenterait mon frame d'invincibilité. Mais ça, j'en avais souvenir. On avait vu cet objet lors de la dernière run. Alors là, on va avancer et normalement, on devrait revoir le... Voilà, le demi. Est-ce que cette fois-ci, il va faire quelque chose? Alors, est-ce que tu veux le combattre? Non. Hein, tu le fixes, ouais, dans les yeux pendant un moment. D'accord, donc cette fois-ci, par contre, il ne nous agresse pas. Ah non, mais c'est vrai que la dernière fois on avait un peu avancé. Il est encore... Il fait encore la version méchante? Mais pourtant on n'a rien fait cette fois-ci. Tu es intimidé pour me combattre, hein? Je suis un fantôme qui vit à l'intérieur de cette poupée. Mon cousin l'utilisait aussi pour vivre à l'intérieur de ce demi, mais jusqu'à que tu sois venu, quand tu lui as parlé, il combat. Therefore, they were... Attends, il combattait. Il était pour un... Ouh là là, j'y comprends rien. Mais la seule chose que tu disais, horrible, choquant, incroyable. It spooked them right off their... Ok, bon alors ça non plus. Humain, je vais effrayer ton âme. Enfin non, je vais faire sortir ton âme de ton corps. Alors, cette fois-ci, est-ce que je peux pas le fuir? Non, je ne peux pas. Je peux agir. Check. Mat demi, attaque 30, défense, yes. Ah mais oui, je peux pas le taper. Parce qu'il est un fantôme, les attaques physiques échouent. Folish, folish, folish. D'accord. Aïe, aïe. Ouch. Est-ce que... Oui, ici, ça le touche. C'était bien comme la dernière fois. Oh, you lose, espèce d'idiot. Regarde ce que tu as... Enfin,
tes attaques magiques arrivent. Hé, hey, toi, oublie ce que je viens de dire à propos de la magie. Ah, maintenant, Mad Nemi semble nerveux. Bon, bah, on va faire merci. De toute manière, on pourra rien faire. On est obligé de le faire toucher avec ses propres attaques. Yes. Et encore un peu. C'est bon, ça va le calmer. De toute manière, c'est juste le temps qu'il fasse son bidule chouette. Et qu'il arrête de nous embêter et que quelqu'un vienne nous sauver un peu. Foolish. Stupidité, stupidité, stupidité. Même si tu attaques, blabla, tu ne pourras jamais me blesser. Je suis toujours de incorporel, espèce d'idiot. Attends, Isdemi. Oups. Là. Hop. Encore. Là, par ici. Oui, bien. Ah, il vise bien au moins. Il se vise bien lui-même, donc c'est positif. Donc on lui refait un petit coup, mais se réassemble. Je vais utiliser ton âme à travers pour traverser la barrière. Là. Ouais, on a réussi à lui donner deux petits coups. On va essayer de refuir. Ok, je me tiendrai blablabla. Ah oui, là les machins. Plus à gauche, plus à gauche. On va re-essayer de partir. Blablabla. Ah non, mais mince. Oui, ça... Oui, je suis bête. C'est là qu'il faut viser. Ah, je fais n'importe quoi. C'est pas... Les rouges, faut les éviter. Ouais, donc ça, oui. Là, maintenant, ça devrait toucher. Yes. Il s'en est pris plein dans la gueule. Plein dans sa petite face de demi. Waouh. Je sais pas comment j'ai fait pour esquiver, pour le coup. Ah, alors là non plus, je sais pas comment j'ai... En fait, les boules se sont écartées pile au bon moment. Peu importe, peu importe, peu importe. Là, plus à gauche. Yes, il s'est repris un coup. Par contre, il me reste 10 points de vie. Hein, Mad Nemi is all over the dialogue box. Je peux rien faire. Talk. You talk to the Nemi. Il ne semble pas avoir beaucoup de conversations. Personne n'est heureux avec ça. Pitiful, pitiful, pitiful. Là, plus là. Non. Je ne veux pas te tuer, gentil Nemi. Je ne veux point te faire de mal. Yes, donc là il s'est refait toucher et c'est bon. Hey guys, Damis, go. Rappelle-toi que... Hein, comment je t'avais dit de ne pas me taper. Bien. Échec, tu es viré. Tu es remplacé. Maintenant tu vas voir ma vraie force. Croire en people. Hein, croire en les personnes qui ne sont pas des ordures. Mechanical refill. Ok, quelque chose de bizarre remplit la pièce. Bon bah on va encore essayer de partir. Demi-boss magic missile. D'accord. Ouh, il se les a pris pour le coup. Ah mais oui, je me rappelle aussi. Demi-boss dragon. Donc là on va, voilà. Et là on peut les guider. Comme ça. C'est bon, je m'en souviens. On doit leur faire vite fait un tour avant. Voilà, on va les guider. Et hop là. Et donc pareil là, on les guide pour toucher le demi. Par contre je sais pas où on est sa vie pour le coup. Est-ce qu'en lui parlant on peut voir sa vie? On parle où? Ah mais non, mais c'est check. C'est pas talk. Donc on va refaire final attack. Ok, donc on va voir ça. Wouh. D'accord, donc en plus il me piège. Aïe. Non, j'ai perdu toute ma vie. Oh non. Un coup près en plus. Oh. C'est relou ça. Bon, je vous fais une ellipse et je vous reprends au même endroit à peu près. Vous inquiétez pas. Bon les amis, je vous reprends. Alors peut-être on est juste un petit peu avant. Mais de toute manière, voilà. Dummy but final attack. Donc c'est bien ce que je pensais. On est à peu près pas loin la même, du même moment pour le coup. What? Comment je fais? Aïe, aïe, aïe. Je viens tout de me prendre dans la tête, c'était génial. Non, pas moyen. Ces gars sont vraiment horribles, sont vraiment pires que les autres gars. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand ils disaient vous êtes viré, etc., c'était au demi, parce que vu que c'est eux qui le tapaient, mais parce que nous, on les guidait, enfin, voilà. Qui s'en fiche, qui s'en fiche, qui s'en fiche. Je n'ai pas besoin d'amis. Hein. J'ai un couteau. Non, merci, je ne veux pas ton couteau. Je suis à court de couteau. Mais ça n'a pas d'importance, tu ne peux pas me blesser et je ne peux pas te blesser. Tu seras coincé dans ce combat pour toujours, toujours, toujours. Eh ben non.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, une pluie d'acide. Oh, oublie ça. Ah, je m'en vais. Salut. J'espère que tout ira bien. Et on a Monsieur Fantôme. Désolé de t'avoir interrompu. Your friend. Ah oui, ouais, dès que je suis venu, ton ami est immédiatement parti. Oh non, vous aviez l'air de tant vous amuser. Oh non, je voulais juste dire bonjour. Oh non. Et bien entendu, il m'a sauvé sans le vouloir. Hein. Bien, je pars devant la maison. Oh, et il ne me suit pas, c'est ça? Sont-ils libres de venir avec... Ah, d'accord. Mais sans pression, je comprends si tu es occupé, c'est bien. Ne t'inquiète pas, juste pense à voilà, à l'offre qu'il lui a fait. Enfin, qu'il nous a fait, plutôt. D'accord. Hey, ma maison est juste au-dessus, au cas où que tu voudrais la voir. Ou juste au cas où que tu ne voudrais pas, enfin. Ah, cette musique. Les amis. Elle est toujours aussi belle. Donc, normalement, on a la maison... D'accord. Ouais, il ne semble pas y avoir quelqu'un à la maison. Ah oui, aussi, on m'a dit comment faire pour... Si vous vous souvenez du dernier épisode, il y avait... On a vu la chambre de Sens. Et on m'a dit comment faire pour y accéder. Alors, c'est vraiment pas simple. On va... Enfin, je pense que je le ferai pour le fun. Mais ça va être galère parce qu'à chaque fois, il faudra quitter le jeu plusieurs fois, etc. Mais ça, ça sera vraiment à la fin du let's play, du genre le dernier épisode ou l'avant-dernier. On verra ce moment-là. Oh, tu es vraiment venu, hein, désolé. Moi, je m'y attendais vraiment pas. Ce n'est pas trop, mais fais comme chez toi. Ouais, non, ça ira. Hein. Merci, allez, salut. Donc là, c'est fermé. Là, il y a toujours la course d'escargot, c'est ça? Hein? Pourquoi il y a quelqu'un au milieu? Depuis quand il y a un mec, là, qui en... Ah, mais oui, c'est vrai que c'est les mecs. La course d'escargot, elle est juste à droite. Et oubliez, hein, je ne vais pas le refaire. La dernière fois, on a vu ce que c'était. À part nous faire perdre notre temps et notre argent. Parce que oui, quand même. Hein, l'argent, le temps, c'est de l'argent. Et en plus, on perd les deux en même temps. Pour le coup, c'est pas très worse tout ça. Qu'est-ce qu'on a en haut? Et on m'a dit aussi... Alors, ouais, c'était lui, je crois. C'est les Torn Notebook. On a moins 3 d'attaque. Par contre, on a une frame d'invincibilité qui est plus longue. Donc, on va acheter ça. On va s'en équiper. Non... On va s'en équiper et en plus de ça, on va déposer toutes nos armes dans le coffre parce qu'on n'en a pas besoin en soi. Alors, utiliser la box, oui. Alors, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Donc, les toy knives, ça, je ne veux pas. Le stick, peut-être avec un chien, je crois que j'en aurais besoin encore. Et le reste, en soi, j'ai tout besoin. Je pense que... Ah, mais attendez. C'est vrai que si je vais m'équiper normalement de mon turnbook, je crois que je vais déséquiper l'autre chose. Enfin, l'autre arme que j'avais, c'est ça? Les gloves, les gants, je ne sais plus comment. Voilà, les gants durs, je crois. C'est bon. Donc là, normalement, on devrait être un petit peu plus invincible. Et là, c'est toujours la zone aussi après pour voyager à gauche à droite. Avec le bateau. Oh, cette musique. Elle est si belle. Donc là, on fait plouf plouf. Là, ça nous re-raconte l'histoire à propos d'Underground, etc. Ah oui, là, c'était avec la lumière. Oh là 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 là, les énigmes. Donc cette fois-ci, je vais faire en sorte d'aller au village, vous inquiétez pas. Ça va peut-être être compliqué. Normalement, je crois que c'est dans cette zone. Ou alors dans la prochaine zone. Et au pire, je vous ferai une ellipse le temps que je trouve. Un ennemi spécial, voilà, Temi, apparaît pour vous vaincre. Alors, est-ce que je peux... Ah, mais attendez, si je lui jette le stick. On jette le stick. Voilà, il le prend et il le rapporte. Hi, I'm Temi. Oh, c'est marrant cette attaque, on n'avait jamais croisé cet ennemi auparavant. Là normalement je peux l'épargner. Ah non, même pas. Agir. Flex, talk. Alors, on va faire check. Rated, motadem. M, toupette cute. D'accord. Mais tu es allergique. Hein? Oula, on se croirait dans Snake pour le coup. Ok, je me suis fait avoir pour le coup. Flex, talk, fit, Temi. Temi on veut seulement le Temi Flex, ok. Non, j'ai si faim, meurs. Ah d'accord, ça a empiré le truc. Ah oui, ok, d'accord. Non. Oulala, là là, Temi vibre intensément. Waouh. Flex, allez. Et on flex à Temi. Non, muscle, not cute, pas cute. Oh, je dois être en désaccord. Non. Juste nous deux. Ok, donc d'accord. Ah mais oui, lui, il est à fond avec les muscles, c'est pour ça. Waouh, 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 waouh.
D'accord, et donc maintenant j'ai un nouvel ennemi, c'est ça? Flex. You flex, iron flex very. Ok. Il se... Oui, ok, en gros il se la pète. Et donc on a réussi à gagner et on a 60 gold. Par contre c'était galère, hein. Ah, et là faut revenir en arrière. Oh mon dieu, cette énigme. Elle me fait rappeler des souvenirs pour le coup. Faut revenir en arrière, histoire qu'on se rechoppe un petit combat, hein. Ce serait pas trop de refus. Par contre, c'est vrai que 60 gold, pour le coup, c'était pas mal du tout. On va tout allumer. On va tout allumer. Mais on va pas avancer, on va revenir en arrière. Parce que je pense... Je sais pas si ce champignon nous a ouvert une autre route, mais je préfère vérifier. Bon, ça, normalement... Ça se... Ouais, on peut les épargner facilement. Ah, je peux pas, lui. Agir. Check. Flirt. You wiggle your... Ouais, vous... Ah, d'accord. Ah, par contre, il a pas trop aimé ce que je viens de faire. Non, 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 mais... Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. On a tellement peu de vie, j'aurais dû me remettre de la vie. Bon, c'est pas grave, je vous refais une ellipse et je vous retrouve après. Et re, les amis, donc, je viens de refaire le chemin en arrière. Et un nouveau chemin s'est ouvert à nous. Et voilà, c'est le Temi Village. Que la dernière fois j'avais loupé, mais cette fois-ci on l'a, on va le visiter, on va en profiter. Hoi, bienvenue à Temi Village. Hoi, I'm Temi, and c'est mon ami Temi. Oh là là, cette musique. Hoi, I'm Temi, and. Ok, d'accord, donc ils vont nous dire tous la même chose. On va sauvegarder pour le coup. Tu te sens quelque chose. Remplis vos déterminations, ok. Cet endroit est supra chelou. Hoi, tu devrais vérifier le magasin. En plus, ils ont une manière de parler, je vous raconte même pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Temflake, Temflake. C'est quoi ce machin? Hoya! Non. D'accord, j'aimerais juste check en fait, c'est possible. Temflake expensive. D'accord, en gros, il y a le prix. C'est la même chose, sauf que là, c'est un gun. Dempay 4 call. What? Dempercy Higher Education. Ah, en gros, c'est pour les éduquer parce qu'ils savent même pas parler. Enfin. Non, mais ça a l'air du gros n'importe quoi. C'est quoi? Hoi, I'm Temi, say hello. Allez, salut. Hoi, je suis. À propos de toi-même. Hoi, I'm Temi. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ça a l'air d'être le village du troll pour le coup. On va les laisser dans leur coin. Un statue of Temi. Very famous. Very. Ah oui, alors là. Feeling of. Voilà, on se sent observé. C'est quoi ce champi là? Mushroom. La danse du champignon. La danse du champignon. Peu importe ce que ça signifie. Ok, d'accord. Ah, ça symbolise mon tourment intérieur piégé ici par mon je sais pas quoi. My blabla 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 but alas. Ok, d'accord. C'était très intéressant. D'accord, ceci c'était très intéressant. Et mis à part ça, il y a un truc à faire. J'ai juste envie d'acheter le machin à 1 gold. Ah, ça nous rend 2 HP discount full stuff. Ok, j'avais pas eu. Allez, on va en acheter un. Thanks, merci pour l'argent. Ça nous rend 2 trucs. Pourquoi pas. Et merci aussi à la personne qui vient de se connecter. Hein, très gentil. Hein. Comme d'habitude. Vilain porcinet, vilain. Et donc là, on va pouvoir revenir en arrière. Et on va pouvoir continuer. Je sais pas si on aura le temps de faire le combat. Ouais, je pense que si. Bon, on va voir, on va voir. On va aller. On va prendre notre temps et tout va bien se passer. Encore un combat, et cette fois-ci on a... D'accord, donc pour le Iron, on va flex, comme ça il va tellement flex, voilà, plus facile, encore plus qu'il va se barrer, non? Ah non, l'attaque augmente pour nous deux. Ah oui, les bubules, faut pas bouger, je crois. Ok, pratique. Je peux... Non, je peux toujours pas épargner, agir. Flex. Shoo. You tell Iron de partir. Ah, tu as changé d'opinion. Ok, j'ai pas encore bougé. D'accord, ça fait mal quand même. Hein. Ouais, ouais, non, non, si, ça fait quand même mal. Donc, on va reflex encore. You flex harder. Iron flex tree. Ça... Ok. En fait, si je reste au milieu, je suis tranquille, quoi. Comment je peux le faire partir? Mais il est relou, lui. Encore. You flex. Iron flex very hard. Ah, voilà. C'est bon, maintenant il est parti. Oups, I mean, blablabla. Ah, c'est lui qui nous faisait chier avec le savon. À rebondir dans tous les sens. Bon, on va aussi s'occuper de lui. Joke. Ah non, lui c'était clean. You ask you to clean you. Ah voilà, il le fait de manière très excitée. Ah,
Là, en vert. Aïe. Je prends le vert, je prends le vert. Et normalement, je peux partir. Yes. Et on a 55 gold. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur. On va utiliser un unicycle. Et on récupère 11 HP. Donc pour le coup, c'est plus que bien. Et c'est plus que suffisant pour que si on se refait agresser, ne serait-ce qu'une fois, on puisse survivre. Parce que ce serait quand même ballot de remourir. Ça fait la deuxième fois de l'épisode. Et je vous avoue que déjà, c'est suffisant. Voilà, donc ça, c'était encore le piège comme la dernière fois. Oh mon dieu. Ça fait quoi en fait si on reste dans le noir? Attendez, j'ai envie de voir. Je me fais agresser ou ça se passe comment? D'accord, non, c'est juste qu'après, je n'y vois absolument rien du tout. Oh non. Bon, les deux, je sais comment m'en occuper. Lui, faut le unhug. Oh là là, il apprécie notre respect que nous avons pour lui. Aïe. Faut pas que je bouge avec ces boules d'eau, mais les deux ensemble, c'est pas très pratique, voyez-vous. Donc déjà, on va en épargner un. Ça va le calmer un peu. Ça, par contre, ces gouttes d'eau à esquiver, c'est quand même assez horrible. Je perds à chaque fois toute ma vie. Donc lui, pour agir, on va clean. Voilà, on va lui demander de nous laver. Oh là là, il est content. On va se mettre loin histoire d'esquiver. C'est bon. Et non. Ah quoi? Ah mince, fallait prendre les... D'accord. En fait, faut prendre la bouboule verte. Faut au moins prendre une pour que ça marche, je pense. Quoi? Yes, c'est bon. Et là, normalement, c'est bon. C'est ça. Et en plus, ça nous redonne un petit peu de vie. Et on a gagné 45 gold. Ça fait plaisir. Je veux juste une lanterne. Peu importe où elle est. Voilà, c'est bon. Oui, je sais. J'ai appuyé dessus. Ça fait peut-être un petit wrong. Mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est se barrer d'ici. Allez, plus vite. On veut partir loin d'ici. Et j'aimerais éviter, pareil, de rester, de m'éterniser par là. J'aimerais m'approcher d'Endin et faire the final combat. The final fight. Donc là, il y avait re la petite fleur. Il y avait re ça. Bah, attendez, on va reparler à la petite fleur, voir si ça change quelque chose. Hein, derrière toi. Oui, ça change bien quelque chose. Donc là, on retrouve Undine une nouvelle fois. Cette fois-ci, elle va se rendre compte qu'on est toujours pas mort. Cette âme humaine. Avec le pouvoir de cette âme humaine, notre roi, le roi Asgore, pourra devenir un dieu. Avec cette puissance, Asgore pourra finalement briser la barrière. Il pourra finalement nous ramener à la surface de l'humanité et nous donner, hein, et donner en retour la souffrance et toute la peine que nous avons endurée. Comprends-tu, humain? C'est ta seule chance de rédemption. Abandonne ton âme ou alors je l'extirperai de ton corps. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît. Recule avec ta lance. Ah, Undine, je vais t'aider à combattre. Salut, petit être jaune. Aïe, yo, tu l'as fait. Undine est juste en face de toi. Hein, tu blablabla. Bla, bla, bla. Tu es juste en face pour le combat, etc. Attends. Qui est-il en train de combattre? Hey, tu ne vas pas dire à mes parents. Enfin, tu ne diras pas mes parents, hein, hein, pas vrai, hein, s'il te plaît. Un. Et donc là, je peux revenir en arrière, c'est ça? Donc je peux pas parler. Enfin, je peux pas parler aux plantes. Oui, je peux pas parler aux plantes, mais. Plutôt. Interagir avec, voir s'il y avait un petit texte de dialogue, par pur hasard. Mais on avait ces lueurs jaunes les dernières fois qu'on est venu. Je sais pas souvenir. Et là, normalement, c'est le moment tant attendu. Hey yo! On va l'aider. On va le sauver. Parce que forcément, regardez. Ah, oups! Ah non, pas encore. Ah. Alors. Hey yo! Je savais que je n'étais pas supposé être ici, mais hein, je voulais te demander quelque chose. Man, je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais encore demandé à quelqu'un auparavant. Hey yo, tu es un humain, n'est-ce pas? Man, je le savais, bien, je le savais, je le sais maintenant, je veux dire, Undine me l'avait dit, reste loin des humains, de cet humain, alors, je pense que ça fait de nous des ennemis ou quelque chose, mais, I can't stink, mais blablabla, bla bla. Alors, dis quelque chose, say something, Min, est-ce que ça veut dire que je peux te détester, please, non. Quoi?
Alors, I have to do. Alors, je dois le faire. Ok, yo. Je te déteste. Je suis tel un. Je sais pas quoi. Je vais rentrer à la maison maintenant. Ah oui, parce qu'en fait, je crois que je lui ai dit qu'il pouvait me détester. Ouais, yo, attends, help, help, trip. Là, je bouge, je veux bouger. Voilà, aide-le, aide-le. Yes, c'est bon, j'ai réussi à l'aider. Ouf, pour le coup, ça m'a... J'ai pas fait de bêtises. Yo, dude. Si tu veux blesser mon ami, tu devras d'abord passer à travers moi, en premier. Ah, il nous défend. Ça fait plaisir. Donc il me voit comme son ami finalement. Elle est partie. Ah, tu as vraiment sauvé ma peau. Ah, je devine qu'être ennemi était juste une pensée. Nous avons juste à être amis au lieu. Nous pouvons. Ouais, nous avons juste à être amis. Man, je devrais vraiment rentrer à la maison. Je parie que mes parents sont inquiets à propos de moi. Enfin voilà, à propos qu'ils soient pas encore rentrés ou qu'ils soient pas chez lui. À plus tard, dude. Non, mais un peu de soucis, à plus tard. Donc là, qu'est-ce que ça va faire vu que on l'a sauvé? Est-ce que ça fait qu'on va pas voir Undine avant un petit moment? La question est de mise. Là, il n'y a pas de point de sauvegarde, je crois. Ah, si. Donc là, on va revoir Undine. Oui, cette âme humaine et le roi Asgore deviendra un dieu. 6. C'est le nombre que nous avons collecté depuis déjà un petit moment. Comprends-tu? À travers, grâce à cette âme et ton âme, ce monde sera transformé. Mais en premier, cependant, comme c'est coutume, qui font de si longtemps, blabla, je voudrais te dire. Ah oui, il doit d'abord nous raconter le destin tragique de Underground. Tout a commencé il y a longtemps. Non! Tu sais quoi? Screw it! Pourquoi devrais-je te raconter l'histoire quand tu es sur le point de mourir? Ah, et voilà, il a enlevé son casque. Toi, tu es en train de te situer sur notre... Tu te tiens sur la voie de tous les espoirs et de tous les rêves. L'histoire d'Alphys, du livre d'Alphys, le fait penser que les humains sont enfin été cool avec leurs robots géants et leurs... Flory Swordswoman, alors je sais pas ce que c'est pour le coup. Mais toi, tu es juste une vache. Ok. À te cacher derrière cet enfant hein, que tu aurais pu fuir. Tu aurais pu fuir encore. Oula, désolé. Et ne pas oublier. Blablabla, blablabla, je ne comprends pas. Hein, difference by. Ok, bon allez, salut. Tu sais. You know what would be more. Ah, tu sais ce qui est plus valuable, enfin qui a plus de valeur que n'importe qui. C'est hack, si tu étais mort, c'est vrai, humain. Tu continueras à continuer d'exister pour toi, être un crime. Ta vie is all that stands between us. Toute ta vie est tenue entre nous et notre liberté. Enfin, en gros, c'est pour dire que il veut récupérer son âme pour libérer le royaume, etc. Mais nous ne sommes pas blabla, quand tout le monde aura rassemble ses cœurs ensemble, nous ne pouvons pas perdre, enfin ils ne peuvent pas perdre maintenant humain, terminons ça maintenant, devant toi, je vais te montrer comment les monstres sont, la détermination des monstres peut-être, step avance quand tu es prêt, Donc les amis, on est déjà à presque 30 minutes, donc on va s'arrêter là parce que si je dois encore faire la suite, on en a au moins pour 10 minutes. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Prochain épisode, vous m'y ferez penser si j'y pense pas, mais je vous mettrai le lien du thème, de la cover française du thème de Dundin, pour le coup, parce que je l'adore. Et en attendant, si vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao à toutes et à tous !